Bonsoir. Voici une burst à la fois émouvante et extrêmement crédible. Extrêmement crédible, j'ai pas besoin de vous expliquer. Il suffit de regarder cette magnifique finition Double Dirty Lemon pour s'y croire complètement. Là, c'est une Les Paul qui aurait été laissée pas mal au soleil, sur laquelle donc il ne reste plus de traces de rouge. Et on a cette belle couleur citron qui apparaît et qui laisse bien voir les veines de la table en érable. Les cages de micro ont été enlevées, bref, c'est une guitare qui a joué et émouvante puisque c'est la copie de celle qu'a joué Duane Allman. Duane Allman qui est sans doute l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, un des plus grands guitar-héros américains et un homme dont on ne parle pas assez et dont on n'écoute pas assez les géniaux albums, que ce soit avec les Allman Brothers ou avec Derek and the Dominos. Alors oui, je vais oser jouer du slide sur une Gibson Duane Allman. Évidemment, en toute modestie, je suis très 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 loin d'avoir ne serait-ce qu'un centième du talent du grand Duane, mais ça n'empêche pas de se faire plaisir. À propos de se faire plaisir, c'est une guitare qui est sortie en édition extrêmement limitée. Celle-ci, c'est le numéro 19. Et comme vous vous en doutez, on ne voit pas très souvent ce genre de guitare passer en occasion. Thank you.